Que l'on soit au supermarché ou au marché, depuis quelques mois, le panier de la ménagère s'amenuise tandis que les prix augmentent. Riz, tomates, oignons ou encore piments, les produits vivriers comme les produits importés subissent d'importantes fluctuations de prix. Bien s'alimenter, à plus forte raison sainement, devient alors un casse-tête pour bien des foyers en Côte d'Ivoire. Un casse-tête certes, mais pas un challenge infranchissable. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Monsieur Jonathan Naoum, diététicien spécialisé dans le sport. Monsieur Naoum, merci d'être à nouveau sur notre plateau pour répondre à nos questions. Merci, cher Ashley. Je le disais en introduction, la cherté de la vie affecte tous les aliments de notre quotidien. Pouvez-vous nous décrire les changements que vous avez observés auprès des consommateurs? D'abord, les prix. On a un changement d'un point de vue des prix, comme on l'a discuté précédemment, que ce soit le riz, que ce soit les pâtes, que ce soit la tchéké. On remarque une forte augmentation des prix qui est due à l'inflation. Donc, ces changements sont assez importants. Depuis 4 ans, depuis la crise du Covid-19 en 2020, l'inflation n'a cessé d'augmenter. Donc, ce que l'on remarque le plus là, pour l'instant, c'est l'augmentation des prix, quels que soient les produits, des fruits, des légumes, des féculents, tout est en train d'augmenter. C'est ce que je remarque le plus et il va de soi que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les ménages. Et les ménages, justement, vous qui êtes diététicien, pardon, ceux que vous suivez, vous voyez un changement dans leur comportement d'achat? Oui, Dieu merci, puisque si je les Outre le fait suis. d'être en bonne santé, parce que je... Si je les suis et qu'ils ne changent pas, c'est que je ne sers à rien. Oui, disons que à la base, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont tendance à manger beaucoup de féculents. Tout ce qui est riz, pâtes, tchéké, pommes de terre, alors c'est pas mauvais pour la santé, c'est bien, mais il faut varier avec des légumes, il faut varier avec des fruits. Donc moi, j'ai observé un changement d'un point de vue végétal, une augmentation des produits végétaux, donc des fruits, des bananes, des avocats, des légumes, des courges, des courgettes, etc. Et ça leur permet d'être en meilleure santé et c'est vraiment très agréable à voir. Quels sont les aliments locaux abordables, d'une part, et nutritifs de l'autre, que les Ivoiriens peuvent privilégier pour bien manger malgré l'inflation? Bon, il faut regarder ce qui est le moins cher déjà, puisque vous parlez d'abordable. Vous avez la tchéké, vous avez les pommes de terre, vous avez le riz, vous avez la patate douce. Il va de soi que les fruits sont en train d'augmenter. J'ai payé mes avocats récemment 350. Depuis quelques mois, je les paye à 700 voire 800 francs. C'est assez vexant. Donc, j'essaye de partir sur des bananes. Puisque l'être humain est saisonnier, donc il faut faire aussi en fonction des saisons. Néanmoins, je pense qu'il faudrait partir sur ce qui est le plus abordable, c'est-à-dire les besoins de base. Il faut faire en fonction de son budget, le riz, les pommes de terre et la tchéké. La cherté de la vie oblige souvent à faire des compromis sur la qualité des produits. Comment on peut maintenir une alimentation équilibrée avec un budget réduit? Ça, c'est une bonne question. Alors, pour maintenir une bonne alimentation équilibrée avec un budget réduit, il faut déjà voir de quel budget on parle, de combien vous parlez. Alors, je vais prendre un exemple. Une personne qui gagne le SMIC ivoirien étant de 75 000 francs CFA, on se dit qu'elle consacre, je vais essayer d'être réduit au plus grand possible, 20 000 francs CFA? Comment, avec 20 000 francs CFA, on s'alimente bien? Je sens la question piège dans votre regard, c'est impressionnant. Eh bien, c'est très simple. Vous prenez déjà ce qui est local. Vous ne mangez pas importé parce que ça coûte une blinde, permettez-moi l'expression. Vous mangez local et vous faites en fonction du nombre de personnes qu'il y a, si vous êtes tout seul ou si vous avez une femme, des enfants, un mari, etc. Et vous prenez le plus simple. Comme on l'a dit encore, la tchéké, en général, c'est le moins cher. La tchéké 500, les pommes de terre, le riz. Le riz, moi, je paye 5 kilos de riz. Je ne donnerai pas la marque, je n'ai pas le droit. 3 000 francs CFA. Du riz local. Du riz local, toujours. Donc, il faut manger local, privilégier ce qu'on trouve au marché et non pas au supermarché. Ce n'est pas pour les attaquer, mais ça coûte toujours plus cher. C'est vrai. Donc, on va au marché, on prend des fruits, on prend des légumes. Et en fonction de son budget, on privilégie les féculents. Encore une fois, parce que c'est ce qui nourrit le plus. Et c'est riche en vitamines, mais bien sûr, il ne faut pas oublier les fruits. Je précise les fruits de saison. Parce que si on vous dit l'avocat, ça coûte 1 000 francs l'avocat parce que ce n'est pas la saison, manger des bananes, c'est toujours mieux pour la santé et ça vous permet d'être dans votre budget. Alors, permettez-moi de vous paraphraser. Vous avez évoqué l'augmentation des coûts des fruits et légumes. Alors,
Quelles alternatives peu onéreuses ont les consommateurs pour avoir quand même cet apport en nutriments et en minéraux? Eh bien, ces alternatives, elles sont plutôt simples, puisque je vois la deuxième question piège. Là, je parle à une amie, pas une journaliste, hein. C'est très simple, vous faites en fonction de vos moyens. Je vais être honnête, il n'y a pas d'alternative. Il faut regarder par rapport à son budget, il faut regarder par rapport à ses moyens. Si on n'a pas les moyens, parce que les fruits, ça coûte un peu trop cher, parce qu'on préfère la checker qui coûte 500, mais ça peut nourrir une personne ou deux, bien la caler, alors que les fruits, 500, bon, une banane chacun, machin, bon. Il faut faire en fonction de son budget. Très honnêtement, on discute. Je préfère être honnête avec tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je n'en vois pas d'alternative. Je pense tout simplement qu'il faut faire en fonction de son budget, en fonction de ses moyens. Le plus important, c'est de manger, déjà, premièrement. Déjà, c'est un Et besoin. ensuite, moi, je suis là pour vous guider en vous disant les fruits, les légumes, etc. Mais il faut toujours faire en fonction de son budget. Donc, l'alternative, en fait, ce n'est pas vraiment à moi de vous la donner. C'est en fonction de. Du budget du ménage, en fonction d'eux, ils trouvent comment ils vont faire pour manger leurs fruits, manger leurs légumes, manger leurs féculents. Donc la vérité, c'est tout simplement, faites en fonction de vos besoins et de votre budget. C'est tout. Alors, promis, cette fois-ci, ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'on devrait revenir à une alimentation 100% locale? Je m'explique. Est-ce qu'on devrait revenir, privilégier les sauces, nos recettes régionales pour maintenir un budget réduit, mais en mangeant bien? Parce que souvent, nos sauces sont décriées. Je parle par exemple de la sauce graine qui est Vous sujet. m'en voulez pour ça. Ah oui. La sauce arachide qui est sujet par certains trop nutritive. Alors, ces sujets trop gras. Pas trop nutritif, je dirais trop gras. La sauce arachide, elle va m'égorger à la fin de l'interview. La sauce arachide et la sauce graine sont des sauces qui sont trop grasses. Alors, un bété qui a l'habitude de manger sa sauce graine, on va pas lui dire, monsieur, madame, il faut arrêter. On va lui dire, il faut diminuer. Il faut pas arrêter, il faut diminuer. Un Normand, on va pas lui dire, il faut arrêter le fromage et le beurre. Pas possible. Voilà, un Bordelais, on va pas lui dire, arrêtez le vin. C'est pas Un Djoulin, on possible. va pas lui dire, arrêtez la sauce arachide. Il faut fonctionner en fonction de l'être humain, en fonction de l'individu et non pas d'un groupe. Donc, la sauce arachide, la sauce graine, c'est trop gras. Moi, j'ai l'habitude d'en manger tous les jours. Par exemple, si quelqu'un me dit ça, très bien, cher ami, essayez de diminuer petit à petit. Parce que le secret, c'est la modération. Maintenant, par rapport à votre question, par rapport au ménage, c'est très simple. Tout le monde doit faire en fonction de lui-même. Les sauces, par rapport à la question des sauces, ben c'est très simple. Gnangnang, guaguassou, djumblé, feuilles, sauce tomate, sauce graine, sauce arachide, sauce aubergine, tout ça, il n'y a pas de souci en vérité. Mais le secret, c'est de manger local, oui, pour répondre à votre question, c'est toujours mieux en termes de budget. Là, vous êtes contente. C'est toujours mieux en termes de nutriments. Parce que manger importé quand on est ivoirien, c'est pas naturel. Il y a 100 ans, on ne mangeait pas importé ici en Côte d'Ivoire. Et les Français ne mangeaient pas ivoirien. Donc, il faut aussi regarder ses ancêtres et ses origines. Alors qu'aujourd'hui, c'est 40 € la sauce graine en France. C'est ça. 40 euros la sauce graine, pour donner un ordre d'idée, c'est 25 000 francs CFA. Eh bien, c'est très simple. Vous faites local. Vous mettez beaucoup de légumes, quelle que soit la sauce, et n'oubliez pas les bonnes cuissons. La sauce guaguassou, mon ex-baoulé avait tendance à me dire, mais la sauce guaguassou, c'est du poisson fumé. Je lui ai dit, alors je n'en mangerai pas. Parce Pourquoi? que tout ce qui est fumé, fermenté, frit et au four, c'est cancérigène. Alors je privilégie des aliments qui sont braisés, bouillis, vapeur, ou alors je les fais rissoler. C'est aussi simple que ça. Et j'enlève toujours la peau du poisson et du poulet. Vous m'égorgerez après. C'est bien que vous parliez de poisson parce que j'en arrivais au plat, je dirais entre griffes nationales, le garba, qui est pas cher. Oui. Et qui est nourrissant. C'est ça, et qui est très toxique aussi et cancérigène. En fait, le problème du garba, les Ivoiriens me détestent. Hein. Pour le garba et la loco, ils me détestent. J'imagine bien, Un oui. peu, oui, mais c'est bon pour la santé, mais vous savez, il y a ce dont j'ai besoin et puis il y a ce dont j'ai envie. On dit, c'est pas cher. Très bien, je suis d'accord. On dit, Crois ça que fait c'est 1000 francs plaisir. maintenant. Oui, ça commence aussi. Ça Comme quoi, commence à l'inflation, ça va augmenter. toucher le manioc. On dit, c'est bon. Moi, ce qui est bon, ça me va. Mais j'ai besoin que ça soit bon aussi pour le corps. Comme je vous ai dit, il y a ce dont j'ai besoin qui est le plus important, et puis il y a ce dont j'ai envie qui est secondaire. Ce dont j'ai besoin, la checker, c'est bon pour la santé quand j'en mange de temps en temps. Si j'abuse de la checker, ma sueur va sentir le manioc et le corps sera en train de me dire, tu es en train d'abuser. C'est possible. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'alterne. La modération, c'est ça le terme. Le problème du garba, en fait, c'est tout simplement l'huile.
Vous allez voir des gens qui se prennent pour des cuisiniers, ce ne sont pas des cuisiniers. C'est de l'huile rouge, c'est de l'huile de palme. C'est très mauvais pour la santé. Pourquoi? L'huile de palme, c'est comme la pomme. À la base, c'est bon pour la santé, c'est un fruit. Mais l'huile de palme, elle est pesticidée. C'est ça le problème. Elle a des on met des produits chimiques dedans. Deuxièmement, une huile qu'on fait chauffer, ça va. Une huile qu'on fait réchauffer, on la mange plus. Vous, vous arrivez devant votre garbadrôme, l'huile, elle est noire. C'est-à-dire que quand on la respire, le corps lui-même, normalement, vous dit, mais il y a un problème. Et vous avalez ça. Ça, c'est direct vers un cancer du foie et de l'estomac. Donc, on évite d'en manger tout court. En général, je dis modération. Par rapport à garba, je rêverais que les Ivoiriens suppriment le garba pour leur santé. Moi, c'est leur santé. Moi, je suis en bonne santé. Vous n'en mangez pas. Jamais. Vous n'avez jamais goûté. Si, bien sûr. D'accord. Parce que l'expérience veut que je découvre tout et que je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Mais je préfère de loin un bon attiéké avec un bon poisson brisé, c'est de loin meilleur. La préparation des repas à la maison est souvent considérée comme plus économique que la restauration rapide. Quels conseils vous donneriez pour mieux planifier ces repas tout en réduisant les coûts? Il faut tout simplement discuter. Un ménage, monsieur donne les courses à madame, voilà, je te donne l'argent, et puis il faut que tu ailles faire les courses. Je pense qu'il faut tout simplement discuter. Les familles en Afrique ne discutent pas assez. Il faut s'asseoir, il faut discuter, monsieur, madame, les enfants. Ok, qu'est-ce que vous aimez? Quel est le budget? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Qu'est-ce qui peut nous permettre de nous faire plaisir? Il faut tout simplement discuter pour voir ce qui fait plaisir, ce qui est moins cher, en fonction de ses besoins et de son budget. Et après, le reste, tout va couler à flot. Quels aliments de substitution peu chers mais riches en protéines vous recommanderiez aux ménages qui ne peuvent plus se permettre d'acheter de la viande ou du poisson, parce qu'il faut le dire, ça a augmenté régulièrement? Les œufs. Les œufs, que ce soit au supermarché ou chez le fournisseur directement, chez le producteur, pardon, moi je paye 15 à 20 œufs, je les paye à 3 800, 4 000 à peu près. Vous vous faites une belle omelette avec 2-3 œufs, vous pouvez les bouillir, vous pouvez faire griller à la coque, comme vous voulez, pocher ou que sais-je. C'est riche en protéines, c'est très bon pour le développement musculaire. C'est aussi riche en vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. On en a besoin. Donc les œufs, c'est vraiment une très très belle alternative. Ultime question, quelles sont vos recommandations pour réduire le gaspillage alimentaire et maximiser l'utilisation des aliments achetés afin de faire durer les stocks plus longtemps à la maison? Il va de soi que dans le monde d'aujourd'hui, on ne meurt pas de famine, on meurt de surconsommation. On surconsomme tout. Et le problème, c'est que on jette davantage. Quand on surconsomme, le sur, c'est pour dire que c'est trop déjà. Donc on a tendance à jeter. Donc le secret, en vérité, ce que je donnerais, c'est tout simplement de manger le même repas midi et soir. Tout simplement. Pour une famille de 4, de 5, de 6 ou que sais-je, ou même de 10, si on a l'habitude de jeter parce que le riz est périmé, bon, le riz périme difficilement, les pommes de terre sont gâtées ou les légumes, parce que les légumes, ça ne dure pas très longtemps au frigo. Dès que c'est prêt, en 48 heures, c'est fini. Et encore, 36 heures déjà, c'est assez serré. Eh bien, pareil pour les fruits. Eh bien, encore une fois, on discute. Qu'est-ce qu'on fait, machin? On prend des fruits, on aime ça, la checker, bon. Et puis on se met d'accord. On fait un petit déjeuner que tout le monde consommera. Et le déjeuner, on essaye de faire le même déjeuner midi et soir. Très honnêtement, le même repas, pardon, midi et soir. Très honnêtement, c'est pas si mauvais que ça pour la santé de manger le même repas toute la journée, parce que ça permet une fluidification au niveau du sang et de l'organisme. C'est-à-dire. Vous avez un chanteur grec, chanteur français d'origine grecque, Demis Roussos, qui est assez connu en France, je pense que vous devez connaître, qui pesait à un moment dans sa vie 120-130 kilos. Oui, je vois de qui vous Et parlez. vous savez comment il a réussi à maigrir? Il est tombé sur un diététicien qui lui a dit, écoute, tu as vu plusieurs nutritionnistes, à chaque fois que tu es stressé, tu manges. Alors ce que tu vas faire, tu vas manger le même plat matin, midi, soir. Et ça va peut-être vous faire plaisir, mais il pouvait manger le repas qu'il voulait. C'est-à-dire que s'il veut manger une pizza 4 fromages, là vous inspirez, elle est heureuse. Si vous voulez manger une pizza 4 fromages, vous avez le droit. Mais vous mangez la même pizza 4 fromages matin, midi et soir. Donc on rachète pas de pizza à quatre fromages. Vous rachetez la pizza à midi, vous la rachetez le soir. Mais en Ah. tout cas, vous mangez le même repas. Vous voulez manger foutou sauce arachide, il n'y a pas de souci. Vous choisissez le repas que vous voulez, dans la quantité que vous voulez aussi, démesurée soit-elle. Mais matin, midi et soir, vous mangez le même repas. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il a perdu 30 kilos. Parce que l'organisme n'est plus choqué par le mélange. Si on OK. diversifie trop,
on fatigue l'organisme. Et ça évite aussi le gaspillage. Donc on peut manger un garba 3 fois par jour. Tant que ce n'est pas du garba. On peut manger un attiéké, poisson braisé, poulet braisé. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'enlever la peau parce que j'insiste. La peau est un protecteur de la chair. Si vous enlevez la peau, que vous faites braiser votre poisson, le poisson, vous pouvez le jeter. D'où le fait qu'on le fait braiser avec la peau, c'est parce que la peau est un protecteur, il faut l'enlever. Quand la peau devient noire et racornie, c'est comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous mangez un œuf avec sa coquille. Ce n'est plus comestible. Pour le corps, c'est comme si vous mangez la feuille. C'est pareil, ce n'est plus comestible. Donc, faites vraiment très attention, s'il vous plaît. Monsieur Naoum, merci d'avoir répondu à nos questions. Je Merci à vous. rappelle à nos spectateurs que vous êtes diététicien spécialisé dans le sport. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.